L'épave du Costa Concordia se trouve dans une position instable. Elle menace de bouger à tout moment. Les opérations de sauvetage ont été interrompues car il n'y a plus d'espoir de trouver des survivants. Le danger est désormais que le réservoir se brise et laisse échapper les 2300 tonnes de carburant. La météo va se dégrader, il y a de la houle, mais l'épave se trouve dans un endroit plutôt abrité du vent, qui est de plus en plus fort. Le bateau a cependant bougé. Le problème maintenant, c'est d'évaluer s'il est stable ou non pour continuer les opérations. Avant l'arrivée du mauvais temps, les autorités envisagent même d'attacher le bateau au rocher pour le stabiliser. Les sauveteurs ont déjà remonté 11 corps de l'épave. 24 passagers sont toujours portés disparus. La polémique sur la responsabilité de la catastrophe continue. Costa Croisière s'estime victime de l'inconscience du capitaine de s'être approché trop près des côtes. Sur cette vidéo amateur, réalisée une demi-heure avant l'ordre d'évacuation, cette hôtesse invite les passagers à rejoindre leur cabine s'ils le souhaitent. Le capitaine du Concordia est accusé d'homicide multiple, notamment pour avoir abandonné prématurément le bateau.